Nous sommes ici à Val Thorens, au centre UCPA. Ici a lieu la deuxième édition des vacances sportives en e-sport, après la première édition qui a eu lieu l'été dernier à Serre-Chevalier. Nous accueillons 7 jeunes en situation de handicap moteur ou sensoriel pour une semaine sportive. L'expérience de l'été dernier à Serre-Chevalier nous a donné envie d'ouvrir un séjour en hiver, à la neige, pour proposer d'autres activités. On a pour objectif aussi d'avoir toujours les séjours d'été et les séjours d'hiver en alternance, en essayant d'offrir plusieurs destinations tous les ans. J'accompagne les jeunes handi dans la vie quotidienne surtout. Après, je vais aussi sur les pistes pour prendre des photos, des vidéos. Comme ça, ils auront des souvenirs en rentrant. Et voilà, c'est surtout dans la vie quotidienne. Au niveau de l'ambiance UCPA, je trouve que y a vraiment une bonne ambiance. C'est assez convivial, familial. Et après, les jeunes, donc magnifique, super sympa. Donc, il n'y a pas de souci, ça se passe super bien. Ce matin, donc, j'ai fait du ski toute la matinée et l'après-midi, j'ai fait de la natation. Alors, je dois dire qu'il y avait trois activités. Donc, il y avait natation, ping-pong et badminton, je crois. Et donc, j'ai choisi natation parce que c'est l'un des sports préférés. On a fait de la dameuse, donc 1h30. Et c'était franchement intéressant à voir parce que, pour moi, personnellement, j'ai toujours rêvé d'aller dans une dameuse. Les cours sont vraiment adaptés et ça je trouvais bien parce que les personnes sont sous des handicaps différents et donc c'est adapté et ça c'est cool quoi, c'est franchement très bien. On a travaillé également en lien avec, au niveau local, le comité départemental handisport de Savoie qui aujourd'hui nous permet d'adapter toutes les activités sportives qui sont proposées sur cette semaine. Donc il fait un gros travail au niveau de l'accompagnement des jeunes, de l'encadrement des jeunes pour que tout soit adapté, accessible et je dirais adapté au niveau de chacun. Nous avons également des partenaires financiers sur ce séjour qui sont le ministère des Sports et la Fondation de France qui aident à rendre ce séjour accessible d'un point de vue économique. Mes parents ont beaucoup cherché, ils ont fait en cherchant, ils ont trouvé, ils m'ont dit ce que tu veux faire et j'ai dit ouais. Et voilà. On prend des fous rires en deux jours quoi. Quand on connaît pas, deux jours on rigole. On s'adage vite aussi. Ici on est bien encadré, l'animateur le montre, hein, on est plus nombreux que nous. Et l'ambiance est parfaite, les locaux sont adaptés, ils sont tout calculés pour. Il y a un problème, les encadrants s'en chargeront, donc il n'y a pas de soucis à se faire.